Ça prend un certain type d'individu pour faire ce qu'on fait. Les gentils, les méchants, à d'autres niveaux, ce qui compte, c'est le pognon, faire peur et se faire respecter. Des hommes comme nous sont bâtis pour prendre des décisions difficiles. Et toi, tu l'es ? Absolument. Je voudrais être ne serait-ce que la moitié du policier que mon père a été. Je me présente, capitaine Joe Sarcone. Je dirige l'unité spéciale d'intervention. Tu travailles pour moi à partir de maintenant. Ton superviseur, le lieutenant Dennis Luer. Ne remets jamais en doute, Luer. Il est mon bras droit depuis que ton père nous a quittés. Toi et tes amis, vous serez affectés au même quartier. Mais sache que nous sommes partout et nous sommes invisibles. La seule façon d'en sortir, c'est dans un cercueil avec une belle cérémonie. Et qu'on fasse toujours en sorte de rester du bon côté de la loi. Salut, bébé. Mais tu voulais jamais être le policier. Et maintenant, et pas pour les bonnes raisons. Ce macaque vient dans ma voiture avec mes menottes. Viens pointer ton arme sur cet officier bien blanc. C'est moi qui dirige ici. Alors tu ranges ton arme. Ou mon partenaire te descend sur le champ. Tu veux mourir ? Tu veux mourir ? Tu es son nouveau poulain. Sarcone n'est pas ton ami. Tu sais pourquoi je te fais confiance ? Parce que vous savez que je vais pas vous baiser. Dans la vie, il faut parfois se battre pour obtenir son dû. Hé, mais putain, qu'est-ce que vous foutez ? La pire chose que j'ai faite, c'est d'avoir fait confiance à la mauvaise personne. Comment vous savez que c'est la mauvaise personne ? Tu serais pas en train de m'interroger, hein ? Sarcone est comme un père pour moi. Ah oui, et combien de temps ça va durer ? Quoi ? Tu veux me descendre ? Vas-y ! Si jamais t'essaies de me duper, aussi longtemps que j'aurai de l'air dans les poumons, je te retrouverai. Et je te boufferai tout cru. Tu veux baiser Joe ? Je pourrais rien faire pour toi. C'est pas bon. C'est pas une bonne idée. Alors écoute-moi bien maintenant. Tu bosses pour moi ! Juste pour moi ! Si tu devais mettre un prix d'après toi, combien vaudrait ta vie ?